Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 30 octobre, premier jour de confinement, voilà. Et donc j'avais vu sur Facebook que les Noz étaient ouverts, vu que moi je suis encore en vacances et qu'il me manquait quelques bricoles pour mon cahier de l'Avent. J'avoue j'ai craqué, je suis allée voir quand même si c'était ouvert parce que bon, confinement, pour moi Noz c'est pas un magasin qui est forcément quelque chose d'essentiel, hein, c'est ce que j'ai dit à la vendeuse. D'ailleurs, j'y suis allée ce matin et ils allaient fermer cet après-midi parce qu'ils n'avaient personne, forcément. Mais comment vous dire, je suis sortie, j'ai pas eu l'impression que c'était plus confinement que ça. Voilà. Il y avait quand même pas mal de choses ouvertes, il y avait quand même pas mal de monde. Le pire, ça a été hier quand je suis allée au médecin. Bouchon sur l'autoroute des deux côtés, enfin bon, c'était une catastrophe. Les gens, ils ont pété un câble. Alors, moi je suis dans le commerce alimentaire, on est livré tous les jours, il n'y aura pas de pénurie, il n'y aura rien. Déstressé, vous pouvez venir faire vos courses, il n'y a pas de souci. En fait, c'est les gens qui créent la pénurie, hein. Vous inquiétez pas, il y aura de quoi faire, il y aura à manger pour tout le monde. Voilà, enfin, c'est un petit message au passage parce que c'est complètement fou. Donc, ben voilà, je voulais vous faire un petit all noz, même si ça se trouve dans d'autres départements où les villes sont plus grosses, peut-être que les noz ouvriront, resteront ouverts. Donc, si vous avez la chance d'y aller, allez-y. Après, restez quand même un maximum chez vous. Hein. C'est pas parce que, bon, moi j'y suis allée ce matin, parce que bon, ça se trouve, je sais qu'ils laissent jusqu'à dimanche aussi un petit temps d'adaptation pour les gens. Et puis ben là, au moins, comme ça, après économie, on dépense plus rien. De toute façon, on pourra plus faire les magasins. Moi, c'était vraiment pour finir mes calendriers de l'Avent. Donc, il y a des choses que je ne vais pas vous montrer à l'intérieur parce que j'aimerais qu'elles aient la surprise quand même. Et cet après-midi, je vais commencer à emballer. Alors, par contre, le truc que j'ai fait hier, je vous ai dit que je suis allée à Action pour prendre du dentifrice et du bazar et du blabla, nanana. Mais j'ai oublié de reprendre du papier cadeau. Je pense que je ne vais pas en avoir assez. Bref. Alors, pour commencer, on a trouvé deux petits stylos comme ceci de chez Disney. Donc, on a Fourchette et Buzz l'éclair. Donc, ça fait partie des pop comme ça. Elia fait la collection des pop Disney. Et donc, ça fait partie, ben, c'est des crayons pop. Donc, ils étaient quand même à 1,99€. Je ne sais pas combien c'est dans le commerce, ça doit être beaucoup plus cher. Hein. Et voilà, ils sont vraiment trop trop choux. Alors, Buzz l'éclair, il était à la caisse, bien posé dans son truc. Et lui, alors, je l'ai retrouvé au fin fond d'un bac. Et on a eu la chance de le trouver. Alors, surtout, Fourchette, c'est le plus. C'est le plus marrant. Si vous n'avez pas vu Toy Story 4, regardez-le. Franchement, c'est à mourir de rire. Ensuite, j'ai trouvé des petits autocollants comme ceci de Noël, donc en rouge et argenté. Alors, je les trouve trop choupinou, quoi. Donc, pour faire une carte ou une créa, ça va être super sympa. Et donc, 50 centimes. Et je les ai trouvés aussi en doré, comme ça. Donc, ça faisait vraiment pas cher. C'est pas quelque chose. Quelque chose. Quelque. Oula, quelque chose que j'ai. Et voilà, je les ai trouvés rigolos, même le petit Père Noël comme ça, là, qui est genre affalé. Voilà, bon là, il est en mode confinement, hein. Peut-être qu'il passera pas, je sais pas. Ou là, il est comme ça. Enfin voilà, je les ai trouvés super sympas. Doré, c'est moins ma tasse de thé, mais je me suis dit, pourquoi pas. Voilà, c'est sympa. Donc j'ai trouvé ça. Ensuite, bon, à chaque fois on dit on a trouvé, mais on n'a pas trouvé, en fait, on a acheté. Ça c'était à moins 50%, donc ça me l'a fait à 25 centimes. Donc c'est du gros ruban comme ça là. Voilà, 50 centimes pour mettre derrière les créas, pour faire des fonds. Ça fait comme de la tulle, vous voyez, comme de la. Vous voyez? Comme ça là. Donc j'ai trouvé ça super chouette pour 25 centimes. On a un bon métrage, je ne sais pas combien il y a dedans. Il y a 5 mètres. Donc franchement j'ai de quoi faire pour des créas. Après c'est rose, mais moi j'aime bien scraper le rose, donc ça me dérange pas. Et puis bon, je l'aurai toujours. C'est pas comme si j'avais pas de choses. Mais bon là j'ai pris plus pour les calendriers de l'Avent que voilà. Ben, pour la calendrier de l'Avent, j'ai trouvé, bon ça je peux vous montrer, après ça pour aussi pour les envois. Des petits thés. Donc ils sont bio. À la framboise. Alors, menthe framboise. Donc, menthe, je ne sais pas ce que c'est. Je suis un peu nulle. Hein. Voilà. Donc, j'ai trouvé des petits thés comme ça à 75 centimes. Donc, je me dis que ça peut être sympa à la framboise. Après, menthe, c'est pas menthe parce que c'est mint, la menthe. Ah, à moins que ça peut être menthe framboise, mais ça doit être du.
Et ouais, c'est ça, à mon avis, c'est menthe framboise. Donc pourquoi pas, ça peut être sympa. C'est qu'en fait, c'est pas écrit en anglais non plus, ça doit être écrit en allemand. Voilà ce que j'ai trouvé. Ensuite, j'ai trouvé des petits sapins comme ça. Alors, c'était 1,99€, comme ceci, moins 80%. Donc ça me l'a fait à 20 centimes, je crois, ou un truc comme ça. Donc c'est juste une fourrée de sapins, donc doré et craft. Et vous allez avoir le tuto. Je ne sais pas si vous l'aurez avant cette vidéo ou pas. Mais voilà, j'ai fait cette carte-là, en fait, comme ceci. Et là, je me suis dit, pourquoi pas en refaire une avec des sapins comme ça. Voilà, ça pourrait être sympa, mais en changeant de couleur. Donc, ou alors autre chose, hein. Il y a peut-être une autre idée qui va me passer par la tête. Donc, je l'ai pris pour ça. Ensuite, j'ai pris... Je sais pas si vous voyez quand je pose sur le bureau. Donc ça, j'en ai pris deux. Voilà, parce que bon, ça faisait pas cher. Et puis, c'est pas des trucs qu'on arrive à trouver forcément. Alors, Elias s'est pris un masque de beauté bio à 99 centimes. Il les mettait juste ce matin et il est au blé. Donc, voilà, c'est en tissu, c'est au blé, voilà, comme ceci. Après, il y avait à la citrouille, il y avait plein de choses. Donc, voilà, elle testera, elle verra bien. De toute façon, je pense pas que ça lui fasse du mal. Ensuite, j'ai trouvé des blocs. Alors, à tomber. Mais vraiment trop trop joli. Alors, il faut que j'essaye d'arriver à trouver tout ça. Ensuite, j'ai trouvé des petites épingles à 1,99. C'est pareil, ça les faisait à peu près à 20 centimes. À moins 80% en bois, comme ceci, où il y a marqué Noël. Oh, voilà, ça peut être joli aussi. Et si je fais un petit échange, pourquoi pas mettre aussi dans un échange. Alors là, j'ai trouvé un des blocs. C'est pour ça, mais Elias en a pris un. Voilà, c'est celui-là qui est en double. Alors, je vais vous montrer les blocs. Donc, j'ai trouvé des blocs comme ceci. Donc, il y en a plusieurs modèles. J'ai pris pratiquement tous les modèles, à part le noir, j'aimais pas trop. Donc, je ne l'ai pas pris à 1,99€. Donc, c'était quand même à 2 euros. Mais voilà, je les ai trouvés super beaux. Donc, là, on a deux pages comme ça. C'est des murs 3, du bleu comme ça. Donc, celui-ci fait plus été, quoi. Et après pour l'été, pourquoi pas? Vous voyez, il est trop trop beau. Et en plus, après, on a des pages en fait des cactus. Et après, on a des pages à la fin où il y a des die cuts qu'on peut découper. Cette porte bleue, elle est juste trop trop belle. Après, on a un papier comme ça. Le papier, il est vraiment. Enfin, les couleurs, tout ça, c'est vraiment trop trop joli. J'aime beaucoup. Elia, elle a craqué sur celui-là, du coup, elle a pris. Je sais pas ce qu'elle va en faire, mais elle a pris. Après, on a des petits découpes comme ça. Et alors, après, ce que j'ai aimé, c'est que voilà, regardez. Donc là, ils sont pas prédécoupés. Il faut qu'on les découpe, par contre. Ça, c'est dommage. Pour la feignasse que je suis, c'est dommage. Il va falloir bien découper. C'est surtout, bon, là, voilà, il faut bien, bien découper. Genre autour du citron, là, voilà, faut pas se louper. Mais voilà, regardez les die cuts qu'on peut se faire, là, les petites découpes, franchement, au fond. Donc, on a trois pages de chaque. C'est trop trop beau. Même le bord là après, bon il faut super bien le découper, mais voilà, j'ai trop aimé ces blocs. Donc j'ai pris celui-ci. Ensuite, j'ai pris, je vais vous montrer au fur et à mesure parce que là dans la poche. Après, ils faisaient des petits blocs comme ça. Alors par contre, voilà, pareil, ceux-là, ils étaient à 2 euros aussi. Après, c'est Studio Light hein, qui fait ça. Donc voilà. C'est. Et donc des petits papiers. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Alors là, on a sur le thème des animaux. Donc là, on a ouf ouf. Là, on a un tout simple rouge à pois blanc. Celui-ci à carreaux rose. Enfin, j'adore. À carreaux gris et noir. Je suis désolée, j'ai mon œil qui. À cause toujours, à cause de mes lentilles. Là, on a Méo Méo. Alors, ça doit être la version anglaise du Miaou Miaou. Je pense, je ne sais pas du tout. Peut-être qu'en anglais, ils font Méo Méo. En anglais, ou je sais pas, ouais, je pense en anglais. Alors, on a celui-ci à carreaux. Voilà, moi j'aime beaucoup ce qui est à carreaux, à petits pois. Après, on a un tout simple avec des petits zigzags comme ceci. Après, on a des petits comme ça. Celui-ci, voilà, j'adore. Des petites pattes de chien, franchement, c'est trop chou. J'adore aussi. Après, je sais pas ce que je vais en faire, hein, mais je trouverais bien une utilisation.
et des petits nonos. Voilà, j'ai trouvé celui-là voilà, trop trop rigolo. Donc j'ai pris celui-ci. Ensuite, j'ai pris. Alors, je vais déjà enlever ça. Ça me prend de la place. Donc Elia s'est pris un classeur, voilà, tout simple. Elle veut y ranger des bricoles à l'intérieur. Et c'était vraiment pas cher. On l'a payé 79 centimes, je crois, un truc comme ça. Donc le gros classeur A4. Alors, ensuite, dans la même série du premier bloc, il y était en rose comme ceci. Voilà, donc avec des petites cerises. La même porte, mais en rose. Trop, trop belle. Moi, franchement, je suis fan. J'adore. Une page rose toute simple. À carreaux comme ça. C'est trop beau. J'adore. Franchement, j'adore. Après, en noir. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a trois pages de chaque à chaque fois. Donc, après, j'en ai pris que un de chaque. Je n'ai pas pris deux. Je me suis pas lâchée non plus. Parce qu'à 2 euros le bloc, à petit pois, comme ça. Celui-ci avec des fleurs. Et après, les die cuts. Regardez-moi ça. Alors là, c'est tout à fait mon truc là. Un peu à l'américaine. Voilà, comme ça. Pareil, les fauteuils comme ça. Enfin voilà, ça, j'adore. Voyez, un petit peu esprit, un petit peu vintage, chabi. C'est trop joli. Après, il va falloir découper. Mais bon. Il y en a plein de mots en plus, c'est trop cool. On a une genre de Cadillac, on dirait. Je ne sais pas si je me trompe. Les petits rollers, là, vraiment, c'est un truc à l'américaine. Je trouve très girly, très. Voilà, celui-là, j'adore, j'adore, j'adore. D'ailleurs, ils ont des noms ou pas, ceux-là? Non. Peut-être que ça aurait pu être la collection, je sais pas quoi. Collection, non. Il marque pas. Donc, j'ai pris celui-ci. Ensuite, j'ai pris tellement de choses, mes pauvres. Elia s'est trouvé des petits gloss. Alors je ne sais pas du tout à quoi ils sont, ou je ne sais pas. Ananas. Non, je pense pas qu'ils soient tous à l'ananas, mais bon, elle aimait bien. Voilà, c'est avec plein de petites couleurs comme ça. Voilà, donc c'est des petits gloss. On a payé ça 3 euros, je crois. Ouais, 3 euros, 2,99 €. Donc elle s'est pris ça. Oui, je vous dis qu'elle grandit. Voilà, c'est plus le bébé. On va plus dans les trucs de jouets. Maintenant, on va dans les maquillages. Mais bon, on essaye de prendre des trucs, voilà quoi. Hein, vous comprenez? Donc ça, hop, on cache. Ensuite, dans les mêmes blocs, alors celui-ci par contre, il y aurait été en... Non, c'est pas celui-là. Si, celui-là, en double, j'aurais pris en double. Il n'y en avait qu'un. Donc il est comme ceci, il fait style vintage. Voilà. Alors, donc on a du bois, hein, après, bon, ça, le bois, on connaît, on a dans plein de blocs. Après, on a des moustaches. Alors, moustache, c'est chez moi en fait à Brive. On a une boutique. Ils ont fait comme genre I love New York, mais I love BG, quoi, Brive-la-Gaillarde. Et en fait, notre emblème, nous, c'est la moustache. Voilà, tout simplement, c'est juste pour vous dire ça. Donc, ça me fait penser à ça. C'est l'emblème de chez nous. Après, on a un papier un petit peu gris, mais très très clair avec des petits pois comme ça. Après, on en a un comme ça. Peut-être je me bouche. Après, ben, on a des vaches. Ça doit être celui de chez moi en fait. C'est le papier de la Corrèze aussi, avec les vaches limousines dessus. Voilà. En fait, je pense qu'ils l'ont fait pour chez nous. La campagne et tout. Là, les casiers en métal, franchement. Mais c'est trop beau quoi. Enfin, j'adore. J'avais jamais vu un papier comme ça. Enfin, j'en ai jamais vu et eu. Donc là, ça fait comme des volets en bois. C'est trop chouette quoi. Là, les papiers, regardez. Les petits trucs qui sont trop trop jolis aussi comme ça. Et alors là, j'en connais un, quand il va voir ça, il va être fan. Les gunbox. Après, il fait plus masculin celui-ci. Franchement, après, voilà, pour faire un album masculin ou des cartes pour d'anniversaire et tout. Vous voyez, c'est vraiment plus des choses qui font masculines. Donc du coup, ça peut être sympa aussi. Donc j'ai pris celui-ci. Ensuite, j'ai pris en bloc comme ça. Est-ce que j'en ai pris d'autres ou pas? Non, en gros bloc, je crois que c'est tout ce qu'il y avait. Mais en petit bloc, donc j'ai pris celui-ci. Voilà, comme ceci. Alors, pareil, hein, c'est juste des petits bouts de papier. Mais regardez-moi ça. Donc, celui-ci est vraiment dans le thème vintage. Il est trop, trop beau. Et ça fait comme si c'était des matériaux, quoi, du métal.
Je trouve vraiment trop trop chouette pour faire des fonds. Voilà, celui-ci et ce bloc-là est juste trop trop beau. Avec des rouages. Là, ça fait un vert un petit peu vert vraiment passé quoi, comme si il y avait, c'était usé par le temps. Voilà, ça c'est vraiment des fonds très 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 vintage. Ça fait comme une. Ben, c'est des casiers métalliques. Je suis nulle, je suis nulle. Voilà, comme ceci. Et comme ça. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai pris en deux fois. Ensuite, il me semble que j'en avais pris votre petit bloc. Bon, j'ai pas fait le tri, hein. J'ai la poche là, donc j'en ai pris un autre comme ceci, qui est très très joli aussi, qui est très, qui est plus doux en fait dans les teintes. Voyez, il est très très beau. Celui-ci fait un peu plus shabby quoi, au niveau des couleurs et j'aime beaucoup. Moi, ce qui est bien, voilà, c'est que c'est des papiers, des couleurs qu'on voit pas partout quoi. C'est ça que j'aime bien. Après, c'est pas forcément cher, mais voilà, ça change du action. Vous savez que j'adore action, mais au moins, on fait des choses qu'on retrouve pas partout, quoi. Celui-ci, il est très très beau aussi. Faut que je me mouche, hein. Pas photo. Genre la vidéo juste en reniflant comme ça. En plus, déjà, j'ai mal à la tête. On sait d'où ça vient, mes vertiges, normalement, déjà, c'est déjà ça. Et voilà un petit truc à carreaux. Non, j'ai pas fini. Et celui-ci, un genre de bois un peu rose, très très joli aussi. Ensuite, ça je peux pas vous montrer, ça je peux pas vous montrer, ça je peux pas vous montrer. On va essayer de garder du suspense, du suspense. Alors ça, j'ai vidé le stock, j'ai fait. Voilà, ça j'ai vidé le stock. On n'en trouve plus à Action. Je sais qu'à l'époque où je scrapais, il y en avait. Maintenant, il n'y en a plus. Vous savez, c'est des kits de cartes, comme ça. Donc maintenant, s'ils nous les font genre thème Noël ou... même pas, ils en font thème Noël et c'est tout, je crois. Après, dans l'année, ils nous en font plus. Alors qu'avant, quand j'ai commencé à scraper, moi, ils en faisaient. Donc maintenant, ils en font plus et c'est bien dommage. Alors, je vais juste couper et me moucher. Parce que je sentais que là, sinon, ça allait être le drame. Bon, alors, donc j'en ai pris du coup, je les ai tous pris, il n'y en avait pas beaucoup en même temps, il y en avait 3 et 2. Donc il y en avait 2 comme ça, donc je les ai pris. Donc celui-ci, c'est sûr, donc c'est toujours Studio Light. Là, alors là, c'est Denim Saturday. Samedi, mais Denim. Je sais pas. Donc il se présente comme ceci. Déjà les couleurs j'ai bien aimé, ça change un petit peu. Et en fait, voilà, on peut faire tout ce qu'il y a derrière comme ceci. Et donc moi j'aime bien, vous savez, ces styles-là pour voilà, pour récupérer les die cuts, pour faire des petites choses et tout avec. Et je trouve ça super sympa. Donc là en fait, ben, c'est un kit, voilà, comme d'habitude, pour faire des petites cartes. Sans s'embêter à chercher forcément ce qui va aller avec quoi. Là, en fait, on a tout, tout pour faire la carte. Bon, moi, après, je ne fais pas du tout comme ils font eux. Mais voilà. Donc, celui-ci, j'ai bien aimé. Il fait un petit peu, ouais, un petit peu vintage, mais en bleu. Ça change. Après, bon, le bleu, c'est pas du tout ma couleur. Mais pourquoi pas? On peut toujours essayer. Ben Denim, oui, c'est le jean, hein, de toute façon. Donc voilà, c'est avec des petites choses en jean. Je l'ai trouvé sympa. Et je vous dis, Action, à l'époque, ils en faisaient. J'en ai encore de l'époque où je commençais à scraper des trucs comme ça. Et maintenant, ils n'en font plus. C'est bien dommage. C'était génial, ces trucs. Et ils les vendaient, je sais plus combien ils les vendaient, Action. 1 € et quelques aussi. Ouais, vous voyez, donc, avec les couleurs comme ça peut faire des cartes aussi masculines parce qu'on n'a pas beaucoup de choses pour les gars en fait. Hein. Et ensuite, English Garden, donc là c'est un peu plus rose, c'est un peu plus shabby, c'est un petit peu plus pour les fifilles. Voilà, donc j'ai trouvé celui-ci, pareil, qui est vraiment super sympa.
Enfin, qui change carrément. Hein. Bon, après, c'est pas pour maintenant, mais pour le printemps, tout ça, pourquoi pas. Ça peut être joli à ressortir et à faire des petites choses avec. Allez, les couleurs, tout ça, elles sont vraiment sympas, quoi. Donc là, j'ai pris tout. Je ne suis pas cassé la tête. Je trouve qu'il y en avait d'autres hein, avant que j'arrive. Hein. Je trouve, vu le monde qu'il y avait hier, je trouve qu'ils se sont fait dévaliser hier déjà dans des trucs. Voilà quoi. Moi, bon, après, ça m'arrange qu'ils soient fermés. Moi, j'y vais plus et je ferai des économies. Et j'ai de quoi faire. Mais là, c'était vraiment surtout pour les calendriers de l'avant parce que je sais qu'il manquait quelques conneries. Et il y a une commande qui arrive au lundi et après je pourrai boucler, les envoyer, comme ça je serai tranquille. Alors, Elia s'est pris ça aussi, donc des petits bloc-notes. Alors, elle est à fond sur les petits, tout ce qui est en ce moment bloc-notes ou les sticky notes. Là. Alors, des fois, je me lève le matin, j'ai des sticky notes sur la salle de bain. Maman, oublie pas ça, maman, oublie pas ça. Enfin, bon, bref. Et donc, du coup, elle s'est pris ceux-là. Voilà, ils sont choupis, ils sont rangés dans une petite boîte comme ça, là. Et ça, c'était 1,99€. Donc, dans cette collection-là, il y avait plein de petits trucs rigolos pour les bureaux et tout ça. Donc, elle s'est pris ça. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un truc. Oh là là, je vous montre. C'est trop chouette, c'est la première fois que je vois ça aussi. Donc il y a deux couleurs. Alors j'ai réussi à avoir deux couleurs et c'était à moins 50%. Et je crois que ouais, non, j'ai pas tout pris ce qu'il y avait. Après, j'ai pas fouiné tout ce qu'il y avait au fond et tout. Après, au bout d'un moment, ça me saoule. Donc 79 centimes, donc ça me fait à peu près 40 centimes. Dedans, il y en a 5. C'est de chez Simply Créative, on va y arriver. Et c'est des mini enveloppes comme ça. C'est trop trop génial, j'adore. C'est vraiment trop chouette, en doré et en argenté. Donc du coup, ben là pour les cartes de Noël et tout ça quoi. Et dedans, on va pouvoir y insérer un petit truc. Et donc c'est en 3D quoi, avec un petit truc 3D derrière pour coller. Voilà. On verra peut-être mieux sur le doré. Et j'ai trouvé ça trop trop bien. Pareil, il n'y en avait pas beaucoup, mais voilà, c'est la première fois que je vois. Et je trouve ça trop trop chouette. Et ça se trouve, en plus, on peut refermer et mettre juste un tout petit truc à l'intérieur. Voilà, j'ai trouvé ça trop trop génial. J'avais rangé ma scrap room. Bref, ensuite, ça, je ne peux pas vous le montrer. Je m'en suis pris un pour moi, mais je ne vous montrerai pas. Ça, je ne vous montrerai pas, tant pis. Ensuite, je me suis trouvé du ruban de fou à pas cher. Du coup, ça me l'a fait à 40 centimes. C'était à 4 euros moins 80%. 40 centimes, comment vous dire que bah, on prend quoi? Voilà, un Merry Christmas rouge comme ça, énorme. Je n'avais pas de gros gros ruban et surtout un ruban tout simple quoi, pas avec. La dernière fois, j'avais sorti un avec, vous savez, le fil à l'intérieur qui se plie là. Attendez, je suis en train de vérifier qu'il n'y a pas un fil. Non. Et voilà, tout simple. Et celui-ci, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Il fait qu'un mètre, hein, par contre. Non, même pas, c'est marqué 1 mètre, 1,33 €. 3 mètres. Donc il y a 3 mètres à l'intérieur. Et il est trop, trop chouette. Avouez que là, celui-là, il est vraiment trop. Pour 40 centimes. Et un autre. J'ai trop craqué. J'ai demandé à Elia, j'ai dit qu'est-ce que t'en penses et tout. Parce que bon, je commence à en avoir un paquet. Elle me dit, oh non, maman, prends le horaire des 40 centimes aussi. Alors, voilà, on va pas se priver. Moins 80%. On a le petit Père Noël avec le petit renne. Il faisait d'ailleurs des rennes comme ça. Enfin bon, après, il y avait que. Il était en ice cut avec des petits fils, mais je crois qu'il était aussi cher limite que le ruban, comme ça. Pareil, il y a 3 mètres et il n'y en avait qu'un, donc bon, j'en ai pas pris. Voilà, on va pas tout prendre non plus. Elia s'est pris. Alors, on a trouvé ça trop chou. Il y avait un vernis aussi. Donc, c'est Crayola qui fait ça. Bon. Ou qui fait pas d'ailleurs, et ben, c'est un rouge à lèvres, enfin c'est un baume à lèvres, voilà, un baume à lèvres, celui-ci il est limonade, et après il y avait un bleu, c'était Tutti Frutti, voilà, pour 99 centimes, et ouais, on a trouvé ça trop rigolo en forme de crayon là, quoi, de crayon, et ils le font aussi, je vous dis, il y avait des mini vernis comme ça en crayon là, c'était rigolo aussi.
mais elle aimait moins parce que c'était des couleurs, vous savez, vraiment très très roses, des trucs. Ouais, et que même moi, je voulais lui dire qu'elle n'avait pas pour aller à l'école. Même de toute façon, pour aller à l'école, pas de maquillage. Alors, après, un autre qui est comme ceci. Donc là, on a des petites vaches. On a été faire un tour dehors, donc vous l'entendez ronfler, c'est normal. Donc là, des pois rouges. Là, on a des bananes, comme ceci. Là, on a juste des petits traits, un petit peu comme ça, très très fins. On a des petites poules. Là, pour le printemps et tout, ça peut être rigolo, ça, les petites poules, tout ça, ou pour Pâques même. Ouais, pour Pâques, celui-ci, j'adore les couleurs. On l'a comme ceci, en noir et à carreaux. Ensuite, on a celui-ci vert et à carreaux, rouge à carreaux, que des carreaux. Là, on a des petits, vous voyez, des petits trucs comme ça, et noir à carreaux. Et c'est pas grave parce qu'après, ça s'adapte bien derrière, en fait, d'autres papiers, quoi. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est celui-ci, toujours pareil, de Studio Light. Ensuite, j'ai quoi là-dedans que je peux vous montrer? On arrive à la fin. Donc, ça, je vous ai déjà montré. Et puis, c'est tout. Parce que le reste, je ne peux pas vous le montrer. Même s'il y a un truc que je me suis pris aussi pour moi, je préfère quand même que les filles elles aient la surprise. Et moi, je me suis pris du fond de teint. Voilà, à 1,75€. C'est Rimmel. C'est de Londres et c'était 1,75€, donc je vais essayer. Rimmel, il me semble que j'avais déjà essayé. C'est une marque ouais, de Londres. On verra bien ce que ça donne. S'il faut faire du cache-misère pour le boulot. Ça fait une semaine que je me maquille pas. Mais bon, ouais, déjà qu'il y a le Covid, le ci, le là, on va éviter de faire peur aux clients. Hein. Voilà, déjà que moi je travaille dans le fromage, je pue le fromage, donc voilà. Non, c'est trêve de plaisanterie. Donc voilà, mes petits achats chez Nos, enfin mes petits achats. J'en ai eu quand même pour pas mal. Donc j'espère que ben, les filles, ça leur plaira. Moi en tout cas, je pense que là, j'ai mes calendriers de l'avance sont bouclés. J'ai ce qu'il faut. Et ben, maintenant, il me reste plus qu'à essayer d'emballer. Mais je crois que je n'ai pas pris assez de papier. Parce que j'ai deux rouleaux ici. Et c'est des rouleaux qui sont assez fins. Donc vu que je dois aller faire des courses, soit ce soir ou demain, alimentaire. Hein. Maintenant, et après on arrête là, on sort plus. J'irai juste travailler et je rentrerai à la maison. De toute façon, on n'a pas le choix. Et puis il faut se protéger. Donc, ouais, je pense que je vais regarder quand même s'ils ont du rouleau, que je ne me retrouve pas à court de papier cadeau. Donc voilà, pour mes petits achats, bah, j'espère qu'ils vous auront plu malgré tout, même si vous avez peut-être un os, allez-y, mais faites attention quand même. Voilà, protégez-vous, respectez les gestes barrières. Je sais que tout le monde ne le fait pas. Je ne suis pas là pour faire la morale. Mais bon, voilà, essayez de. Voilà. Après, ça reste. Moi, c'était vraiment pour finir mes calendriers. Parce que il y a des trucs que j'ai peut-être vu en. Voilà, mais quand on commande, quand on a 10 balles de frais d'envoi, voilà, ça fait vite mal, quoi. Donc, du coup, là, je sais que moi, c'est des petits trucs qu'elles vont. J'espère qu'elles n'auront pas, qu'elles trouveront pas. Après, il n'y a pas forcément que du scrap, c'est ce que j'aurais dit. On a fait un petit mélange de tout. Et surtout, voilà, j'espère que ça leur plaira. Bon, allez, sur ce, la team, je vous embrasse parce que j'ai reçu aussi du courrier dans ma boîte aux lettres. C'est juste énorme. Il y a des trucs que je savais, enfin, la plupart je savais, mais je ne savais pas qu'elles allaient m'envoyer des trucs aussi gros. Donc, voilà. Et plus un échange que j'ai fait pour Halloween. J'en ai un qui est en attente là. Le problème, c'est que. J'ai fait des découpes, je les ai posées. Et donc je les ai retrouvées. J'arrête pas d'essayer de chercher depuis une semaine, je les trouve pas. Donc il va falloir que je les refasse. J'avais commencé à préparer des découpes et tout, mais bon, ouais, je sais pas ce que j'en ai fait. En plus, je me suis dit, je les mets là exprès. Et vu que c'était le bordel, j'ai rangé. Ça se trouve, j'ai rangé avec. Je sais pas où je les ai mis. Bon, mais bon. Il n'y a plus qu'à chercher. Bon, sur ce, la team, je vous embrasse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Là, sur mon vintage. J'ai le vintage sur le bureau. J'ai commencé à faire des petites choses hier. On va voir si ça fonctionne et que ça fait joli. Genre un petit tag comme ça en craft et avec du. Vous savez, du.
du papier calque comme ça. Après, il reste plus qu'à l'habiller et pour le mettre en fait sur une petite carte. Donc, on verra ce que ça donne. On va voir si ça fait joli comme d'habitude. Voilà, parce que des fois j'ai des idées en tête, mais comme vous savez, arrivé au final, ça me plaît pas. Donc, voilà. Donc, si vous voyez la vidéo, c'est que ça sera bon. Allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez chez vous malgré tout. Faites pas comme moi. Enfin, je suis pas un bon exemple, mais c'est vrai que je suis allée vraiment ce matin pour finir mes trucs. C'était le seul truc qui était ouvert. Parce que hier, j'ai pas le temps, il y avait trop de monde et avec mes vertiges, voilà, je pouvais pas. Mais maintenant, voilà, c'est fini pour moi. Si je dois apprendre un truc, ce sera par internet. Donc, protégez-vous et restez comme vous êtes. Bisous!